Nous tenons nous aussi à remercier la Mutuelle Saint-Christophe et le site orthodoxie.com pour l'accueil et l'amabilité qu'ils nous manifestent ce soir en nous accueillant ici. Nous nous sommes réunis ici pour la présentation de ce livre qui s'appelle en anglais, je ne vais pas le dire en anglais, je vais le dire en français, l'héritage chrétien du Kosovo et de la Métochie. De quoi s'agit-il? Le Kosovo et la Métochie, vous voyez sur la carte là-bas à droite, c'est l'Europe, la Serbie est en rouge et... Ah, voilà. La Serbie est en rouge et le territoire du Kosovo et de la Métochie, c'est au sud-ouest de la Serbie. C'est un territoire qui fait 10 800 km². Deux départements français. Pourquoi ils s'appellent le Kosovo et la Métochie? Je crois qu'il faut préciser tout de suite les choses. Le Kosovo, c'est la partie orientale. C'est l'est de ce territoire de 10 800 km². Et le mot Kosovo, le nom Kosovo, vient du mot serbe kos, qui veut dire le merle. Kosovo, c'est le lieu du merle, le champ du merle. Donc c'est la partie est. Et la partie ouest, c'est la Métochie. Et la Métochie, ça dérive du nom grec metochion, domaine, propriété de l'Église. Donc le Kosovo et la Métochie. L'ouvrage que nous vous présentons ce soir réunit de très nombreuses contributions. Il y a 48 auteurs différents, historiens, historiens de l'art, théologiens, témoins, qui se sont réunis pour donner naissance à ce livre qui fait un peu plus de 1000 pages. Alors, ce livre n'aurait pas vu le jour si un homme plein d'énergie, de dynamisme, d'enthousiasme, n'avait pas su convaincre beaucoup de gens à s'associer à lui. Cet homme, c'est Monseigneur Maxime, qui est ici au centre, qui dirige le diocèse orthodoxe serbe d'Amérique de l'Ouest, et c'est à lui que nous devons ce livre. Alors, il nous présentera lui-même en préambule ce livre qui porte sur le patrimoine culturel, artistique, original. Plusieurs des sites qui se trouvent sur ce territoire, de, je répète, de 10 800 km², font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous remercions Mme Raphaël Ziadeh, qui est une éminente byzantologue. Elle dirige le département de Byzance au musée du Petit Palais à Paris. Elle a organisé notamment une remarquable exposition sur le mot Athos il y a 2 ou 3 ans, d'avoir bien voulu nous dire quelques mots au point de vue artistique, histoire de l'art, puisqu'il faut d'abord situer ces monuments dans la perspective de l'histoire de l'art. Mais l'héritage chrétien du Kosovo et de la Métochie, ce ne sont pas seulement des monuments. Ce sont des pierres vivantes, c'est-à-dire des monastères et des églises toujours en activité, au milieu d'une population chrétienne qui perpétue la foi transmise par ses ancêtres. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous aussi des témoins directs de la situation actuelle du Kosovo et de la Métochie. Notre premier témoin sera le colonel Jacques Hogard, à la droite, ou plutôt à la gauche, côté cœur de l'évêque Maxime. Le colonel Hogard, qui nous fera part de son expérience d'officier au Kosovo et Métochie en 1999. En 1999, le colonel Hogard a empêché la destruction d'un monastère, celui de Devic, et il a aussi sauvé la vie des moniales qui continuent d'y vivre.
Nous avons aussi la chance de voir parmi nous un autre témoin éminent qui est Jean-Christophe Buisson, journaliste, historien, écrivain, qui a fait plusieurs longs séjours en Serbie et dans les Balkans et qui nous apportera sa propre vision, sa propre expérience de la situation sur le terrain. Et enfin, Jean-François Colosimo, à droite de notre évêque, écrivain, historien, théologien, éditeur et politologue, nous fera part des impressions qu'il a recueillies lui-même personnellement au cours d'un séjour très récent au Kosovo et en Métochie. À la fin de ces interventions, nous vous projetterons quelques vidéos, je vous rassure, très brèves, qui donnent, je pense, une idée objective, factuelle, de la réalité actuelle et qui fera mieux comprendre l'importance d'un tel livre. Mais pour commencer, je vais passer la parole à Monseigneur Maxime pour introduire ce livre. Merci. Chers amis, bonsoir. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous ici à la Mutuelle Saint-Christophe pour la présentation de ce livre sur l'héritage chrétien du Kosovo et de la Métochie, centre historique et spirituel du peuple serbe. Permettez-moi de commencer par la réflexion suivante. Peut-on imaginer un Kosovo vidé pour toujours de la présence chrétienne orthodoxe et de son rayonnement spirituel? Bien sûr que non, aurait pu dire un moine autrefois qui aurait probablement ajouté. Il n'est pas possible de parler d'héritage chrétien du Kosovo s'il n'y a personne là-bas pour en parler. Ce dialogue imaginaire pointe une vérité importante qui est que l'existence de successeurs et décédants détermine la destinée fondamentale de la terre sacrée du Kosovo. Il témoigne de la vérité biblique et eschatologique selon laquelle le futur donne corps et sens au passé. La culture, puisque c'est le bien le plus précieux que l'on possède, n'appartient jamais au passé, a dit André Malraux. Cette même vérité s'applique au trésor spirituel, culturel et théologique de la chrétienté, transcendant les préoccupations nationales et politiques. En défendant la primauté de la culture spirituelle sur la politique, ce livre aide ses lecteurs à transcender certaines divisions idéologiques existantes dans le climat politiquement tendu du Kosovo et de la Métochie d'hier et d'aujourd'hui. Ce volume de 1000 pages reliées et en couleur est illustré de plus de 900 reproductions ayant pour but de présenter à un large public la riche et très ancien trésor de l'histoire et de la culture médiévale serbe. Les auteurs de cet ouvrage sont d'éminents historiens, théologiens, artistes et journalistes qui sont tous des spécialistes reconnus dans leur domaine. Il y a 8 chapitres et le chapitre 1 de ce livre présente les fondations pieuses emblématiques du Kosovo et de la Métochie qui ont fait l'objet d'une représentation visuelle très expressive ainsi que d'une analyse complète dans la perspective de l'art et de l'architecture serbe médiévale d'inspiration byzantine. Au chapitre 2, une large sélection d'études à la fois théologiques et historiques
permettre de comprendre le sens de ce qu'on appelle le testament de Kosovo et ses liens avec le destin historique de la Serbie. Le chapitre 3 traite de la célèbre bataille de Kosovo, dont les conséquences éthiques et historiques ont laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective des Serbes. Le chapitre 4 contient le mémorandum sur le Kosovo et la Métochie, publié par la Sainte Assemblée des évêques de l'Église orthodoxe serbe. Il se prolonge au chapitre 5, qui récapitule le destin des différents lieux saints serbes au Kosovo, même lorsqu'ils ils ont été ignorés, rasés, profanés ou démolis. Le chapitre 6 s'intitule « Histoire, identité et héritage » et explique pourquoi il est très important que la question du Kosovo soit envisagée à la lumière de l'histoire. Le chapitre 7 présente l'évolution historique du Kosovo après la bataille de Kosovo. Le chapitre 8 retrace les souffrances et les martyrs endurés au cours de la période récente. Terre sacrée pour les Serbes, comme Jérusalem pour les Juifs, le Kosovo constitue le berceau de la nation serbe, comme l'atteste la dénomination même de notre patriarche, qui est archevêque de Peć, ce qui rappelle que Peć, au cœur du Kosovo et de la Métochie, est le centre multiséculaire de la spiritualité serbe. En fait, les trésors culturels de Kosovo et Métochie se situent parmi les plus grandes réalisations de la civilisation chrétienne. Un grand nombre de ces jeux de l'architecture médiévale ont été préservés jusqu'à nos jours. Malheureusement, au lieu d'être reconnus comme faisant partie du patrimoine mondial, à la seule exception de 5 d'entre eux, ils sont soumis à la dévastation et à divers degrés de destruction. C'est pourquoi l'Église orthodoxe serbe est en ce moment même si profondément préoccupée par le sort du Kosovo et de la Métochie, par celui de tous les êtres humains qui y vivent et de tous les lieux saints existants. Le lecteur qui aura la patience de lire attentivement cet ouvrage volumineux pourra y trouver des récits des souffrances de la population ainsi que des témoignages directs sur la libération du Kosovo qui a lieu en 1912, sans qu'un seul acte de représailles ait été commis à l'encontre de ceux qui avaient cessé d'être des ennemis du peuple serbe, et sans qu'une seule mosquée ait été détruite, y compris celle qui fut bâtie sur le site de l'église démolie, liée de Saint-Archange, et qui porte le nom de celui qui fit brûler les reliques de Saint Sava à la fin du XVIe siècle. Le tourbet ou tombeau de celui qui avait conquis et détruit le royaume des Serbes est demeuré intact. La France apparaît, hélas, comme l'un des grands avocats au sein de l'UNESCO, de la thèse qui voudrait que le Kosovo dorénavant prenne soin de nos sanctuaires. Il est très important de souligner notre préoccupation extrême à ce sujet, car au Kosovo et en Métochie, on a détruit plus d'églises qu'en aucun autre endroit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Des pyromanes ne peuvent être des pompiers. Je vous remercie sincèrement pour l'intérêt que vous voulez bien témoigner envers cet ouvrage. Je suis convaincu qu'il touchera le cœur de ceux
qui ressentent la richesse contenue dans ce livre et qui seraient en mesure de faire quelque chose pour que l'évolution de la situation soit meilleure à l'avenir. Notre espoir est que cet ouvrage puisse y apporter sa modeste contribution. Merci. Et je passe la parole à Raphaël Ziadé. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de participer à la sortie en France de l'édition anglaise de la Somme consacrée au patrimoine du Kosovo et de la Métochie, ouvrage placé sous la direction de l'évêque Maxime. L'on ne peut qu'admirer le travail scientifique de premier plan et la richesse documentaire de ce livre qui fait une synthèse des hauts lieux chrétiens du Kosovo, au premier rang desquels les édifices médiévaux de l'ancien État serbe, ainsi que tous les trésors qu'il renferme, manuscrits, icônes, tissus, orfèvreries, archives, ce qui constitue l'un des intérêts majeurs de cette publication. Parmi les monuments décrits et illustrés dans ce livre, 4 ont été reconnus comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2004, sous l'intitulé « Monuments médiévaux du Kosovo ». Ils ont dû être malheureusement inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril dès le 13 juillet 2006, 2 ans après, du fait des difficultés dans leur gestion et dans leur préservation, résultant de l'instabilité politique dans la région. Alors je vais citer ces 4 monuments à défaut de passer en revue toute la richesse du livre. D'abord l'église de la Dormition de Gračanica, qui fut construite sous le roi Milutin, qui régna de 1281 à 1321, gendre de l'empereur byzantin Andronique II. Lors de ce règne de 40 ans, la Serbie devint un état puissant, tenant tête à l'empire byzantin quant au partage du pouvoir dans les Balkans. Milutin fut un mécène exceptionnel, en plus d'un grand monarque. Il fit bâtir pas moins d'une 40aine d'églises, non seulement en Serbie, mais aussi à Jérusalem, à Constantinople, à Rome, à Salonique, en Macédoine, où contribua à leur enrichissement, comme ce fut le cas du monastère de Rilandar au mont Athos. L'extraordinaire Pantocrator, ou encore la très belle fresque de Saint-Élie tournant la tête vers le corbeau qui lui apporte sa nourriture, placée au-dessus de la charte de fondation de l'église, peinte en 1321, sur le mur nord de la chapelle de la Mère de Dieu, page 142, mais surtout l'extraordinaire fresque de la Dormition, où la Vierge se voit entourée de tout le peuple de Dieu, dont le relevé est reproduit, page 153, donne une idée de l'exceptionnelle qualité de ces peintures murales. Deuxième monument classé, le monastère d'Etchani, fondé en 1327, qui a été construit à la moitié du XIVe siècle par le roi de Serbie, Stefan Dečanski. C'est son fils Dušan qui continua l'achèvement de l'église, en commandant en particulier les icônes de l'iconostase principale et le mobilier de l'église. Les reproductions des icônes despotiques de l'iconostase, datées donc du XIVe, pages 204 et 205, ou du Christ en croix, qui surmonte cet ensemble, daté quant à lui du XVIe siècle, page 210, témoigne de la qualité des artistes intervenus au monastère. Cette qualité d'exécution se retrouve dans les différents objets liturgiques, tels que les calices ou les ripidions, reproduits page 208 et 209, et conservés au trésor du monastère, ou encore au musée de Belgrade. Le patriarcat du monastère de Peć, siège du patriarcat serbe, fondé par le roi Dušan en 1346, se compose d'un groupe de 4 églises avec dômes et comportant des peintures murales, elles aussi de premier plan. Les fresques du XIIIe siècle de l'église des Saints Apôtres reflètent un style de peinture monumentale de très haute qualité. Il n'est que de voir la peinture murale représentant les hiérarques, page 73, avec ses extraordinaires motifs géométriques noirs qui ornent les vêtements liturgiques rosés sur fond d'or, pour en s'en persuader, ou encore la non moins extraordinaire composition de la Nativité du Christ, de l'église de la Mère de Dieu Odigitria, datée de 1335, où les différentes scènes de l'épisode sont habilement placées dans les anfractuosités du rocher, tout autour de la Mère de Dieu, blottie quant à elle contre la paroi de la grotte, placée au centre, mais comme loin du sol, page 85, je vous invite vraiment à ouvrir ce livre.
En 1557, le patriarcat de Petch fut restauré. Il devait jouer alors un rôle important en tant que centre spirituel orthodoxe aux côtés du patriarcat de Constantinople ou des monastères du Mont Athos. La croix d'iconostase de l'église des Saints Apôtres, page 99, exécutée par des peintres de Thessalonique en 1724, montre les échanges avec les artistes post-byzantins qui continuent à œuvrer dans l'Empire ottoman. Enfin, il faut signaler le quatrième monument, l'église de la Mère de Dieu de Lievicha et ses fresques du début du XIVe, marquées par cette renaissance des paléologues qui irrigue l'ensemble de ces bâtiments. Cette église est typique du destin que peuvent subir certains monuments au cours de l'histoire. Peu avant 1756, elle fut transformée en mosquée. Après la reprise de Prizren par les Turcs, elle redevint un lieu de culte chrétien. Si j'ai bien compris, les événements de mars 2004 la firent à nouveau fermée. Je ne sais pas si elle a rouvert. Devant la richesse de ce livre, je me plais à imaginer... Elle a rouvert. Ce que le savant français Gabriel Millet aurait pu avoir de joie et de satisfaction. Maître de conférence dès 1899 à l'école pratique des hautes études, Gabriel Millet devient en 1906 directeur d'études dans cette même institution. Le rayonnement de son enseignement, intitulé « Christianisme byzantin et archéologie chrétienne », dépasse très vite les frontières de la France. Ce savant byzantiniste, historien et lettré d'une vaste culture, qui contribua au renouveau des études byzantines, fut d'abord un homme de terrain, un grand voyageur, un archéologue et un photographe. On lui doit ses précieuses études sur la Grèce, Daphni, Mystra, encore le Mont Athos, ses voyages en Istanbul, à Istanbul, en Turquie, ses relevés de Trébizonde, ses explorations de la Dalmatie ou de l'Istrie. Mais c'est en Serbie, Macédoine et Monténégro, qu'il avait visité dès 1905 et 1906, qu'il mène, des années 20 à 1935, toute une série de recherches et de campagnes photographiques qui révèlent à la communauté internationale scientifique l'importance des monuments balkaniques de l'époque des paléologues. Sa préoccupation du monde slave s'exprime dès 1903. Voilà ce qu'il écrit au sujet de son projet de créer une collection chrétienne et byzantine aux hautes études. Je cite « L'art byzantin exprimait un large et profond mouvement de pensée. Il prenait ses premiers éléments non seulement à Rome, mais surtout à la Perse sassanide et à l'Orient hellénistique, qui avaient continué ou ressaisi leurs anciennes pratiques. Après le VIe siècle, il accrut ses richesses et son prestige par des échanges constants avec les populations orientales, détachées de l'hellénisme par l'hérésie monophysite. Enfin, il rayonna à l'est et au nord, chez les Arméniens, les Géorgiens, clients de Byzance, surtout chez les Slaves orthodoxes, ses fils spirituels. » Il consacre ses conférences du mercredi de l'année 1904-1905 à l'art et au culte des chrétiens orthodoxes des XIIIe et XIVe siècles. Les années 1906-1907 sont-elles consacrées à l'histoire de la peinture murale à partir des très riches matériaux rapportés de Serbie, de Macédoine et de Grèce. Ce faisant, Millet a montré comment les fresques provenant des Balkans, avec les fresques de Carrier Djami à Constantinople et les fresques de Mystra, témoignent d'une véritable renaissance de l'art byzantin. Les conférences de 1914 et 1915, de 1917 et 1916 et 1917 sont consacrées à l'architecture des monuments médiévaux serbes. En 17, il publie l'Ancien Art Serbe dans un numéro spécial de la revue L'Art et les Artistes consacré à la Serbie glorieuse au sein d'une série dite série de guerre de cette revue. Il est alors considéré comme le plus grand spécialiste de la question en France. Ce texte, qui comprend de nombreuses illustrations, présente l'architecture, la peinture et les miniatures serbes de l'époque d'Étienne Nemanja jusqu'à celle de Georges Pankovic, à savoir la peinture allant du XIIe au XVe siècle. Cette étude est suivie d'une autre du même titre, en 1919, consacrée à l'architecture des églises. Il y a distingué trois écoles, celle de Raski, celle de Serbie byzantine et celle de la Morava, qui servent encore de distinction aux byzantinologues aujourd'hui. Il y a mis en lumière les éléments distinctifs de l'art serbe, tout en montrant ses rapports avec l'art byzantin et l'art occidental. Son étude de Gračanica, pages 102 et 106, reste une référence pour la connaissance de ce monastère.
L'art serbe a bénéficié de la méthode de Gabriel Millet, qui fut de réunir une œuvre documentaire immense. De ses nombreuses missions, il rapporta des milliers de notes, de plans, de relevés d'architecture, de copies d'inscriptions, des croquis, des aquarelles, dont il fait don aux hautes études, ou encore il appelle des fonds appartenant à ses amis byzantinistes, comme Gerfagnon, Misbel, ou émanant d'institutions comme la Société orthodoxe de Palestine, l'Académie des sciences de Belgrade, l'Académie des sciences de Skopje. Ainsi, 80 000 documents photographiques, des tirages sur papier, des aquarelles sont conservés par l'École pratique des hautes études. 4 albums posthumes de photographies intitulés « La peinture du Moyen-Âge en Yougoslavie, Serbie, Macédoine, Monténégro », publiés de 1904 à 1969, qu'on donne une idée de ce fonds photographique pour ce qui est des Balkans, de même que le catalogue de Dominique Couson, publié en 1986. Gabriel Millet savait que la démonstration de la valeur de l'art byzantin passait par les documents, dont les temps de guerre ne doivent que hâter la récolte. Ce livre, autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui, répond à cette même préoccupation. Sauver le patrimoine passe par des inventaires, des campagnes de photographie, des publications qui sont le parallèle de toute démarche de conservation des sites et qui demeurent parfois le seul témoignage subsistant lorsque les destructions de toute nature ont fait leur œuvre. Le 23e Congrès international des études byzantines se tiendra à Belgrade du 22 au 27 août 2016. Le Comité français des études byzantines est à l'initiative de la création d'une séance plénière dédiée au patrimoine, ce qui sera une première dans l'histoire du Congrès. Cette séance sera justement introduite par une communication de Catherine Jolivet-Lévy, qui fut le successeur de Gabriel Millet, le dernier successeur de Gabriel Millet à l'École des hautes études, sur l'apport et la méthode de Gabriel Millet à la connaissance des monuments serbes. Je ne doute pas que cette séance plénière, à laquelle assisteront les savants byzantinistes du monde entier, à l'invitation du comité serbe des études byzantines et du gouvernement serbe, qui a reçu un mécénat de l'UNESCO, ne soit l'occasion de présenter ce livre de tout premier plan, mais également de saisir le comité des préoccupations qui s'attachent à ces sites. Je voudrais vous dire un mot, si vous voulez bien, sur les panneaux que vous voyez là. Alors ce panneau, en rouge, ce sont les monastères, églises et chapelles construites avant 1459. 1459, c'est la chute de la ville de Smederevo, c'est-à-dire c'est l'achèvement de la conquête ottomane des terres serbes. 1459. Donc ce qui est en rouge ici, les monastères étant surmontés d'une double croix, par exemple Dečani à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, le monastère de Dečani à peu près au milieu, il y a un rond et une double croix. C'est le fameux monastère de Dečani, le patriarcat de Peć est en haut. Donc tout ce qui est en rouge, c'est avant 1459. Ce qui est en bleu, c'est après. Ça montre encore une fois que sur 10 800 km², il y a une concentration. On a parlé de Gračanica tout à l'heure, c'est au Kosovo, donc à l'est, à la hauteur de Dečani. Si vous voulez déplacer la flèche, voilà, Gračanica, on va y arriver. Non, un peu plus bas, Gračanica, un peu plus bas, c'est là. Et alors, c'est un monastère qui, on l'a dit, a été construit par le roi Milutin. Le roi Milutin, sa mère s'appelait Hélène d'Anjou. Il a construit, on l'a dit, 40 églises en 40 ans de règne. Et hier, c'était la fête de Vidovdan, c'est-à-dire l'anniversaire de la bataille de Kosovo. Le patriarche serbe, entouré de 6 évêques, a célébré la Sainte Liturgie à Gračanica, hier. Donc voilà. On peut voir peut-être les autres panneaux, si vous voulez bien. On en a encore deux. Donc ça, on l'a vu. Alors, ça, il est en double. Ah, ça, c'est l'église de Mušutište, qui se trouve au Kosovo, donc à l'est, dans la partie orientale. Voici telle qu'elle était avant 2004. Et après le pogrom de mars 2004, voici ce qu'elle est devenue.
Voilà. Avant 2004, mars 2004, ça s'est passé en moins de 48 heures, entre le 17 et le 19 mars 2004. Voilà. Je crois qu'il y a un autre panneau, non? Non? Non, mais c'est tout, c'est bon. Bon, mais écoutez, ça fait une excellente transition, je l'espère, avec nos témoins, ceux qui sont allés sur le terrain et qui ont observé l'évolution des choses. Donc, passons la parole d'abord au colonel Jacques Hogard, que nous remercions d'être parmi nous. Mon colonel. Merci beaucoup. Cher monsieur Mihailovitch, merci monseigneur de m'avoir invité parmi vous ce soir. Je rentre tout juste de Podgorica, où j'étais hier pour Vidovdan, à l'invitation du métropolite Amphilochié, qui m'a remis ce matin, avant mon départ, un autre ouvrage, les chroniques, je crois, du Kosovo ou Metochie, avec des photos saisissantes. Et j'ai vu hier soir un film encore plus saisissant de ce qui s'est passé finalement depuis cette année funeste de 1999 jusqu'à nos jours, en termes de barbarie, parce que je pense que le mot n'est pas trop fort, et dont les Serbes, mais pas seulement les Serbes, les Roms aussi, il faut les citer, les Gorani, autres minorités du Kosovo et Métochie d'aujourd'hui ont été victimes. En 1998, j'étais à l'époque officier supérieur au commandement des opérations spéciales à Taverny, quand on a commencé à nous alimenter avec des reportages télévisés de ce qui se passait au Kosovo, puisqu'on a raccourci volontairement le nom, je pense, à l'époque, en montrant des files d'Albanais martyrisés par les méchants Serbes qui partaient dans l'Albanie voisine en traversant les montagnes. J'ai été désigné à ce moment-là comme responsable de ce dossier. Alors au commandement des opérations spéciales, quand on est responsable d'un dossier et qu'il y a ensuite un mot barbare dont je vous prie de m'excuser la teneur, mais quand il y a projection de force sur le terrain, le responsable du dossier, s'il n'est pas trop mauvais, a priori, hérite du commandement des troupes sur le terrain. C'est donc ce qui m'est arrivé à partir du mois de janvier 1999. Et je me suis retrouvé propulsé dans les Balkans en plein hiver. J'avais absolument aucune idée de ce qu'étaient les Balkans, puisque j'avais fait une carrière d'officier de Légion étrangère, beaucoup plus tournée vers l'Afrique, que je connaissais bien mieux. Et juste avant de partir, je me suis inquiété quand même de savoir un certain nombre de choses sur la zone où j'allais être engagé. Je suis donc allé faire un tour dans une excellente librairie, déjà les livres, L'âge d'homme, près de la place Saint-Sulpice, où j'ai trouvé plusieurs ouvrages, mais un petit ouvrage en particulier qui m'a été très utile, qui est l'ouvrage de Dusan Batagovic, l'ancien ambassadeur de Serbie en France, qui est un universitaire érudit, qui est aujourd'hui à l'Académie des sciences à Belgrade, dont il est une figure éminente, et qui s'appelle « Kosovo, la spirale de la haine ». Petit livre qui, je crois, bat le record d'être encore plus petit que le livre que j'ai commis quelques années après sur cette même province serbe et chrétienne du Kosovo et Métochie. Petit livre qui m'a, je dois dire, beaucoup appris sur la réalité que j'allais découvrir dans les fêtes. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est mon père, tout simplement, parce que j'appartiens à une famille d'officiers, et désigné pour cette mission nouvelle pour moi dans les Balkans, dans un contexte très tendu de l'époque. Je vous rappelle que Bill Clinton, Madeleine Albright parlaient d'un génocide en cours au Kosovo, un génocide avec pas moins de 100 000 morts, tous albanais bien sûr. Je m'étais ouvert de cette mission qui allait m'être dévolue à mon père. Et mon père était un général à la retraite qui était en train de mourir d'un cancer, et très profondément croyant, et qui m'a dit, tu sais, il faut quand même se souvenir d'un certain nombre de choses, et qui m'a rappelé un petit peu les points saillants de l'histoire de la Serbie, de l'histoire du Kosovo et Métochie, et puis de l'histoire de l'amitié franco-serbe qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, a démarré avec Hélène d'Anjou,
mère du roi Miloutine, ça nous ramène quand même quelques siècles en arrière. Et puis qui s'est trouvé magnifié, un petit peu vivifié ou retrempé, je dirais, dans les sacrifices, dans le sang versé en commun lors de la Première Guerre mondiale. Et alors quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ben, je vais essayer d'échapper à cette mission, je vais plutôt m'orienter vers une mission africaine que je maîtrise mieux, que je connais mieux, et sur laquelle je serai... Et mon père m'a dit, surtout pas, ce serait un déni de responsabilité, tu n'en as pas le droit, tout simplement. Donc tu vas aller faire cette mission, et tu vas la faire d'autant mieux que tu auras, si tu ne la faisais pas, tu aurais un remplaçant automatique qui n'aurait pas forcément la capacité de discernement qui va être la tienne maintenant. Alors je suis parti avec ces deux viatiques en poche, si je puis dire, pour le Kosovo et Metochie. Et là, on a été, je vous passe rapidement les détails, on a été d'abord prépositionné, autre mot barbare, en Macédoine du Nord, à Koumanovo, à côté de Skopje, où on a déjà senti un certain nombre de choses, parce que je ne vous fais pas un jour en vous rappelant l'actualité récente de cette partie de la Macédoine, qui est soumise exactement au même problème que le Kosovo et la Métochie, et qui, on va le voir dans les semaines et les mois qui viennent, je le crains, va connaître elle aussi de graves perturbations, de graves troubles. Donc je suis arrivé en début d'année 99, j'ai fait quelques mouvements entre le théâtre des opérations et Paris, base arrière, et puis j'y suis revenu en mars, parce qu'en mars, on arrivait au terme des soi-disant négociations de Rambouillet, qui étaient en fait une sorte de théâtre organisé pour obliger les Serbes à dire non à toutes les solutions qui leur seraient proposées et ainsi légitimer la guerre dont tout le monde rêvait. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les Américains, l'OTAN, et puis derrière, suivant comme un toutou, l'Union européenne et la France. On en a d'autres exemples malheureusement aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, je suis arrivé dans ce chaudron et on a eu le temps de se préparer. On a vu la campagne aérienne se déclencher avec un étonnement, je veux dire un ébahissement en ce qui me concerne. Pourtant, j'étais aux premières loges. Incroyable, puisque pour moi, c'était du bluff. On voulait faire plier Milosevic, mais en aucun cas, on allait s'en prendre à un pays européen en paix avec tous ses voisins qui n'avait comme seul objectif que de régler militairement le cas d'une rébellion terroriste sur son propre sol, avec les moyens qu'il avait, dont il disposait. Je n'ose imaginer une transposition demain dans un département ou deux départements français. Je ne dirais pas de nom de département, mais ils ne sont pas forcément loin d'ici. Donc on se retrouve dans une situation à ce moment-là très, très, très tendue. Les bombardements se poursuivent et se terminent après 78 jours, je crois, de drames, d'un pays avec des vies humaines perdues, des vies humaines innocentes, et puis un appareil économique détruit, qui est encore détruit aujourd'hui et dont on subit encore les conséquences aujourd'hui, et puis un certain nombre d'autres conséquences qui pourraient être développées ici. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, c'est les accords militaires techniques de Koumanovo, début juin, et que je suis désigné pour négocier l'application de ces accords militaires pour ce qui concerne les forces françaises qui vont être amenées à se déployer au Kosovo. C'est mon premier contact donc avec le Kosovo et Metochie, dont je franchis la frontière le lendemain de ces accords, pour rencontrer des officiers serbes qui m'accueillent fraîchement, et je les comprends, et discuter avec eux des modalités de l'arrivée de la brigade française dans la future zone de responsabilité française de Kosovska Mitrovica, avec un passage étonnant par Gnilane, qui me permet quand même de voir la naissance immédiate du Cambon Steel, de la première base américaine militaire en Europe, dont je vois les fondations se faire sous mes yeux, ahuri, de mon hélicoptère, avec une espèce de colonne de véhicules gigantesque
qui fait comme une espèce d'arène, et on voit que ce sont on délimite le terrain comme on devait le faire dans l'Ouest américain à l'époque glorieuse. Et donc là, nous rentrons au Kosovo et Metochi. Et bien sûr, ma mission, elle est, je dirais, triple. Un, prendre contact avec les autorités serbes pour faciliter leur départ, si je puis dire. Deux, prendre contact avec l'UCK pour que l'UCK rentre dans le rang, puisqu'elle vient de signer aussi ces fameux accords militaires de Kumanovo et qu'elle renonce donc à la lutte armée. Et troisièmement, mission non écrite, mais qui fait partie de ma mission, rechercher les traces d'exaction et de charniers de ce fameux génocide qu'ont commis les Serbes à l'encontre de ces malheureux Albanais. Et je vais donc passer une vingtaine de jours. Ma mission a été très courte, proprement parlée, au Kosovo. À prendre contact avec ces deux acteurs majeurs, l'UCK d'un côté, le commandement serbe, l'administration serbe. J'ai en 2001 témoigné à la mairie du 9e arrondissement, peut-être certains d'entre vous étaient déjà là, pour dire ce que je pensais à chaud de cette mission. Et j'ai dit, et je maintiens, et je l'ai écrit ensuite dans ce petit livre que j'ai fait sortir l'an dernier, « L'Europe est morte à Pristina », j'ai dit ce que je pensais des uns et des autres. On peut toujours catégoriser les gens, c'est difficile d'être fin, mais je voudrais quand même dire que si avec les responsables serbes, les discussions ont été parfois dures et tendues, si j'avais effectivement pas en face de moi des gens toujours très tendres, j'avais des hommes d'honneur qui, quand ils s'engageaient à quelque chose, respectaient leurs paroles. Et malheureusement, la contrepartie à l'UCK, c'était tout le contraire. J'avais des gens qui disaient oui à tout, mais qui s'empressaient, une fois le dos tourné, de évidemment faire le contraire de ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Ça m'a amené rapidement à avoir des affrontements avec eux, mais des affrontements qui étaient jusque-là assez verbaux et pas autres. Et finalement, il a fallu des incidents graves qui se sont produits très vite pour que je remplisse à la fois ma troisième mission, qui était la recherche de ces fameux charniers ou fameuses exactions des Serbes sur les Albanais. Et j'ai eu un certain nombre d'incidents. Le premier incident dont parlait M. Mihailovic tout à l'heure, c'est le monastère de Devic, où j'ai été appelé au secours, en fait, par Mère Makaria, supérieure d'un des monastères de la région, où nous avons pu constater les abominables exactions dont l'UCK s'était rendu coupable pendant 3 jours et 3 nuits à l'encontre de ce monastère et de ses moniales. C'est aussi un incident gravissime d'une colonne de réfugiés serbes quittant la ville de Peć, remontant vers Mitrovica, objet d'une embuscade de l'UCK. Dans cette embuscade de l'UCK étaient impliqués mes propres camarades des forces spéciales britanniques, du 22e SAS, puisque j'ai dégagé avec des hélicoptères armés cette colonne de réfugiés. J'ai repassé la main à une brigade serbe qui était en train de se replier pour qu'elle puisse nettoyer le terrain. Et je me suis fait à ce moment-là proprement engueuler, il n'y a pas d'autre mot, par mon général britannique, celui qui était mon chef direct, et ainsi de suite. Et ça m'a permis aussi de voir que tout ce qui avait été imputé... Alors les 100 000 morts, il faut reconnaître que l'OTAN elle-même a ramené à 4 000 morts, toutes catégories confondues, le nombre de victimes un ou deux ans après. Et sur ces 4 000 morts, on a pu en attribuer une grande partie à l'UCK elle-même, qui s'en prenait aux Serbes, aux Roms, aux Gorani, mais aussi aux Albanais, qui, quand ils avaient le défaut de ne pas être pour l'UCK, et il y en avait beaucoup. Principe d'une organisation terroriste qui s'impose par la terreur. Et voilà donc les gens que nous sommes allés aider au Kosovo contre nos frères serbes, ceux de 14-18 ont dû se retourner dans leur tombe. Et j'avoue que moi j'ai choisi mon camp très simplement, sans me poser de questions particulièrement métaphysiques, tout simplement en tant qu'officier français, parce que je me souvenais de cette amitié franco-serbe sacrée dans ma famille. J'ai un oncle, un grand-oncle, dont le corps n'a jamais été retrouvé et qui fait partie maintenant de la terre balkanique, de cette région.
Parce que je suis un officier chrétien, même s'il m'arrive d'être un mauvais chrétien, ça je n'ai pas honte de le dire non plus, je suis un officier viscéralement chrétien, et donc je n'ai fait que mettre en application la grande et éternelle loi de solidarité entre les hommes de bonne volonté. Et puis, parce que je suis un Européen libre, et que je considère que le plus grand drame qui arrive aujourd'hui à nos pays, c'est de se dissoudre dans un magma laïque et sans consistance, qui est d'ailleurs un barrage dérisoire à l'islam conquérant, et que finalement le Kosovo et la Métochie nous ont donné, avec quelques années d'avance, une idée très réelle, très réaliste de ce qui pourrait se passer chez nous en France aujourd'hui. Voilà. Par ailleurs, il y a un grand penseur français du XXe siècle qui disait du passé faisons table rase, je hais ce programme de l'amnésie. Je pense que c'est exactement ce que certains ont voulu faire au Kosovo et Métochie. C'est pour ça que je pense effectivement que les livres sont essentiels pour la mémoire. Je pense que le livre qui vous est présenté aujourd'hui est un acte essentiel pour la mémoire. On pourra détruire des monastères et des églises, il n'empêche que resteront ce livre et ces photos et ces documents et ces textes, comme restera celui du métropolite Amphiloké, comme restera bien d'autres livres qui ont été écrits sur cette... Mais c'est important qu'il y ait une somme qui permette à tous, humains que nous sommes, de garder la mémoire. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, mon colonel, pour votre témoignage. Je voudrais simplement souligner que le colonel Hogard, qui a sauvé le monastère de Devitch, il faudrait peut-être montrer où se trouve le monastère de Devitch. Il est au nord. Il est dans la... Voilà, il est là. Et ce monastère, en 1999, a été littéralement sauvé de la destruction par le colonel Hogard, ainsi que les moniales qui vivaient et qui vivent heureusement encore. Et pour cette raison-là, et en hommage à son action, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe serbe lui a décerné la plus haute distinction, c'est-à-dire l'ordre de Saint-Sava. Voilà. Alors, nous allons passer la parole à Jean-Christophe Buisson, qui lui aussi connaît admirablement le sujet, qui lui aussi a écrit plusieurs livres consacrés à la Serbie, le général Milovic, héros trahi par les Alliés, le roman de Belgrade, et puis bien d'autres choses qui nous réservent, et puis un autre livre sur les assassinats où on retrouve la thématique serbe. Voilà, nous le remercions d'être parmi nous ce soir. À vous. Merci infiniment pour votre accueil, Monseigneur. J'ai un rapport étrange au Kosovo. Je me suis rendu 4 fois en reportage pour le Figaro Magazine, dans des circonstances à chaque fois compliquées, pour ne pas dire dangereuses. Et c'est un endroit qui hante ma mémoire de manière totalement pacifiée. Et j'ai compris pourquoi, je vais vous l'expliquer. La première fois que je suis rendu, c'était sans autorisation, clandestinement, puisque je couvrais la guerre civile en Albanie. Une guerre civile avait éclaté en Albanie au début de l'année 1997. Je m'y étais rendu, il y a eu des élections, bon, c'est très compliqué, une histoire de, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un scandale financier qui était intervenu, qui avait fait chuter le gouvernement, pour aller vite, de droite albanais, qui était représenté par Sali Berisha. Une rébellion était née au sud, qui était restée une région très communiste, très marquée par le souvenir communiste. En fait, c'était une guerre entre le nord et le sud qui opposait ces deux régions. Et j'avais réussi à aller dans le sud avec un autre journaliste de Paris Match et 2 photographes de l'agence Gamma. Et à un moment donné, nous sommes remontés dans le nord par l'est du pays, par Girocaster, le long du lac d'Ocride. Et à cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les arsenaux du pays étaient vidés
par des gens du Sud qui prenaient des armes pour aller combattre le gouvernement albanais légal. Et à un moment donné, nous avons suivi des gens qui avaient pris des armes dans un arsenal et qui ne se dirigeaient pas pour combattre le Nord, mais qui se dirigeaient vraiment à l'est, au nord-est de l'Albanie. Et nous avons roulé de nuit dans un pick-up, et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était passé au Kosovo. Kosovo qui, à l'époque, évidemment, appartenait à la Yougoslavie, le pays s'appelait encore la Yougoslavie. Et ces armes n'étaient pas destinées à combattre les gens du Nord, mais étaient destinées à être fournies aux Albanais du Kosovo pour combattre le gouvernement yougoslave. Je suis rentré en France, cet événement m'a mis un peu la puce à l'oreille, donc 2 mois plus tard, je suis parti au Kosovo pour faire un reportage en me disant « il est en train de se passer quelque chose là-bas ». À l'époque, les journaux n'en parlaient pas tellement, nous sommes en 1997. Et j'ai sillonné pendant 10 jours tout le Kosovo, où j'ai vu, je pense, tous les protagonistes serbes et albanais, notamment Ibrahim Rugova, qui était le président autoproclamé du Kosovo, qui était un homme de paix, un pacifiste. Il souhaitait l'indépendance du Kosovo, mais il ne le souhaitait pas au prix d'une guerre. Il était débordé sur, je sais pas, sa droite ou sa gauche, comme vous voulez, par Adem Demaci, qui était le grand porteur de l'indépendantisme kosovar depuis des années, et puis un mouvement naissant qui s'appelait Lucheka, mais que lui, comme beaucoup de responsables albanais que j'ai rencontrés à ce moment-là, considérait comme une manipulation des services secrets yougoslaves. C'est-à-dire l'extrémisme de Lucheka leur faisait peur en disant c'est Belgrade qui manipule ces gens-là pour nous pousser à organiser une guérilla et donc à être réprimés. Donc c'était quand même la mentalité où l'on voit que Lucheka est une création qui n'est pas qu'une création kosovare. Suivez mon regard. Je n'ai pas un souvenir très optimiste de ce qui est arrivé à ce moment-là, puisque un jour à Pristina, nous promenions sur un trottoir et nous avions été mis en joue par un soldat serbe qui a failli appuyer sur la queue de détente de son fusil parce qu'il tremblait, parce qu'il avait peur, parce qu'il avait 18 ans. Et qui nous avait vus sur le trottoir, et nous n'avions pas lu un panneau qui indiquait qu'il n'était pas très recommandé de marcher sur ce trottoir, puisque c'était un trottoir devant un bâtiment officiel yougoslave appartenant à l'armée. On a été arrêtés, on a été interrogés par la police yougoslave. Il se trouve que mon photographe était né à Tunis, donc ce qui n'arrangeait pas nos affaires. Donc l'interrogatoire a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais ça s'est globalement bien passé. Et on a compris ce qui s'était passé, c'est que la semaine précédente, le soldat qui était à la place de ce jeune soldat avait été égorgé par des Albanais. Donc son successeur n'était pas très rassuré quant à être en faction à cet endroit-là. Ce genre de petits événements permet de comprendre un peu mieux après la situation. Ensuite, nous avons sillonné vraiment tout le Kosovo. Nous sommes allés à Gračanica, évidemment, à Prizren, à Dečani, où nous avons eu la chance de nous trouver à un moment où le Mgr Pavle faisait une liturgie. Donc nous avons assisté à une liturgie de Mgr Pavle, que j'ai interviewé, qui, comme vous le savez, était pendant 34 ans, je crois, évêque du Kosovo. Donc c'était très intéressant d'avoir son témoignage. C'était un grand homme de paix. Il n'avait pas un mot plus haut que l'autre pour parler des Albanais qui, à cette époque, harcelaient notamment les moines de Dečani en permanence. Et lui était terrorisé à l'idée qu'un jour on puisse imaginer se protéger le monastère de Dečani en y construisant un mur. Pour lui, c'était le pire qui pouvait arriver. Et ce pire est arrivé, comme vous le savez. Mgr Pavle est mort avant d'avoir pu assister à cet événement tragique qui est de protéger le monastère de Dečani par un mur. Mais en tout cas, voilà, j'ai vécu ces moments-là. Mon troisième séjour, c'était en 1999, pendant les bombardements. J'avais pu venir à Belgrade, puis faire un aller-retour au Kosovo, à Pristina. Et là, j'avais pu revoir les contacts albanais que j'avais eus à l'époque, 2 ans plus tôt, avec qui ça s'était plutôt bien passé. Et j'ai eu des témoignages qui étaient des témoignages de bonne foi, de gens qui avaient confiance en moi, d'Albanais, qui me signalait que Lucheka leur demandait d'évacuer Pristina, qui n'était pas bombardée, dans laquelle la vie, d'ailleurs Régis Debray avait fait un article à l'époque célèbre, la vie se passait sans terreur, ni de la part des Serbes, ni même de l'OTAN qui bombardait de temps en temps, mais pas énormément la région. Et ils avaient ordre d'évacuer pour faire du monde sur la route, pour faire ce que le colonel a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ces files ininterrompues d'Albanais fuyant un génocide, fuyant une terreur, qui était donc une terreur qui, en l'occurrence ici, n'existait pas. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas ailleurs, mais en l'occurrence ici, c'était aménagé, c'était une mise en scène réelle. Et les gens me racontaient ça, encore une fois, de confiance.
Et mon quatrième séjour, c'est en août 2000. J'accompagnais le Vojislav Koštunica, qui était le représentant de l'opposition opposée à Milošević. Il y avait une élection présidentielle qui allait avoir lieu en septembre. Il avait été désigné comme le candidat unique de l'opposition pour s'opposer à Milošević. Et pour lui, il était impensable de faire cette campagne sans aller au Kosovo, sans aller dans cette région qui est le berceau de la nation serbe, pour s'imprégner de la spiritualité, de ce qu'il pouvait y vivre. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a fait un meeting à Kosovska Mitrovica, qui a dégénéré puisque les partisans de Milošević ont attaqué ce meeting. On a fait un reportage dans le Figaro Magazine. Et à un moment donné, on a même été coincé entre les partisans de Milošević et les Albanais de l'autre côté du pont, évidemment. Et on a vu le moment où on était vraiment très très mal parti. Et puis finalement, on a échappé à ça. Nous nous sommes arrêtés et avons dormi dans un monastère avec Koštunica. Et comme vous le savez, un mois plus tard, il était élu président. Et après la contestation de Milošević, Milošević a été renversé le 5 octobre 2000. Tout ça pour vous dire que ces quatre moments-là que j'ai passés au Kosovo sont passés dans des circonstances, encore une fois, assez agitées. Et pourtant, j'en ai le souvenir d'un endroit apaisant, apaisant pour moi. Peut-être parce qu'à ces quatre occasions, il y a des forces telluriques qui existent certainement, mais surtout, les trois dernières fois en tout cas, je me suis rendu dans un monastère. Et le décalage qu'il y avait entre la vie dans ces monastères apaisés, tranquille, et ce qui se passait au dehors, les exactions qui se passaient au dehors, la violence sourde qui règne au dehors, eh bien, je pense que j'ai ressenti ça. Et j'ai longtemps cherché une explication, et je l'ai trouvé dans ce qu'a écrit un jour, je vais être très court et je vais finir là-dessus, ce qu'a écrit un jour Monseigneur Athanase à propos du Kosovo, que je vous livre. J'affirme que notre Kosovo n'est pas perdu, et qui ne pourra pas se perdre tant que nous continuerons à le considérer dans la lumière du Kosovo céleste et du testament du Kosovo de Saint-Lazare. Notre peuple du Kosovo a déjà commencé à le comprendre, et c'est pourquoi il commence à retourner à son Église. Il dit « Il ne nous est resté que l'Église. Tout le reste, nous l'avons déjà perdu, nous sommes en train de le perdre. Lorsqu'on entre dans une Église pour suivre une liturgie dans nos fondations du Kosovo, bien qu'accablé par la tragédie historique de tout ce qui se passe autour de ces sanctuaires, pardon, il a écrit ça en 1985, hein, donc c'est pas, mais vous comprenez que ça fait un certain écho en moi. Bien qu'accablé par la tragédie historique de tout ce qui se passe autour de ces sanctuaires, on commence à entrer plus profondément dans le mystère liturgique de l'Église, dans la rencontre bienheureuse avec le ciel, l'eschatologie, avec le Christ crucifié et ressuscité. Et après avoir communié, nous sortons de l'Église en regardant autour de nous avec d'autres yeux et avec de nouvelles forces d'optimisme chrétien. Alors Jean-Christophe Buisson vient de nous parler de quatre séjours qu'il a fait entre 1997 et 2000. Jean-François Colosimo a séjourné au Kosovo et en Métochie il y a quelques jours à peine. Deux, trois semaines, donc je lui passe la parole. Oui, je crois que ce livre est un véritable monument, un monument extraordinaire, parce qu'il raconte qu'il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans l'histoire, que l'histoire est pleine de bruit et de fureur, que les empires changent, que les royaumes chancellent, s'effondrent, que les hommes défigure les autres hommes et défigure l'humanité, mais que cette histoire-là, elle serait que ténèbres s'il n'y avait pas cette chose qui s'appelle la sainteté. Et que un peu de sainteté suffit d'un coup à jeter une lumière dans ces ténèbres et d'un coup aussi à les renverser et à faire que l'histoire ne soit pas que l'histoire de l'entropie, fasse en sorte que le monde ne fasse pas que courir à sa perte, et que même dans la pire obscurité, il y a cette part incessible de sainteté, parfois cachée, mais toujours présente. Dans l'histoire serbe récente, il y a eu cet événement de sainteté, c'était Justin Popovic, et vous savez que en histoire, en sociologie religieuse,
on juge n'importe quel mouvement spirituel sur sa capacité à passer la troisième génération. Parce que finalement, être reconnu soi-même tant que l'on vit, ça n'est pas si difficile. Avoir des disciples immédiats, c'est pas trop difficile, mais avoir des disciples de vos disciples qui peuvent raconter l'histoire de sainteté, de cette sainteté, sans forcément vous avoir connu et côtoyé, voilà qui est grand. Alors on a eu le Justin Popovitch, puis sont venus les évêques Amphiloque et Athanase, et aujourd'hui on a Monseigneur Maxime, c'est la troisième génération, et très sincèrement je le dis, parce que certains pensent parfois que à Saint-Serge, nous n'aimons pas l'épiscopat, non, cet épiscopat-là, nous l'aimons, et puisque c'est notre, mon cher ami Novak Bilic qui m'a même pas amené, qui m'a porté au Kosovo, et qui lui-même est un ancien de Saint-Serge, je dis, éminence, quand Saint-Serge aura passé sa crise, il faudra que vous veniez, vous qui avez tous les talents, qui êtes un pasteur, un enseignant de théologie, un peintre, un éditeur, et vous viendrez nous raconter ce Kosovo qui est forcément, de manière indispensable, une part de la conscience orthodoxe de nos élèves, même s'ils ne le savent pas encore parfaitement. Alors cet événement de sainteté, de cette troisième génération, cette poursuite d'une résurrection qui a commencé dans le communisme, n'est-ce pas, et dans le secret. Et le communisme, c'était aussi une adversité qui semblait fatale, dont on pensait que jamais on arriverait à la renverser, n'est-ce pas, hein, ou que c'était pour les siècles des siècles, n'est-ce pas. Et puis ça s'est effondré d'un coup. Donc de la même manière que Justin Popovitch, dans la nuit du communisme, a témoigné, dans cette troisième génération, auprès de Monseigneur Maxime, ce que j'ai recueilli de ce voyage, ce sont les manifestations, les rayons, les éclats de cette sainteté qui viennent de Saint Justin, à travers ces personnages que j'ai pu côtoyer grâce à votre amitié, Monseigneur, tel que Monseigneur Théodose lui-même, l'évêque du Kosovo, et le Père Sava, qui est aujourd'hui le prieur de Dečani. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas cette facilité orthodoxe à canoniser immédiatement tous les gens que je rencontre, n'est-ce pas, hein. Donc, c'est plutôt autre chose dont je voudrais parler. De quelle sainteté s'agit-elle ? S'agit-il ? Il s'agit de cette sainteté qui fait que, pendant cette guerre atroce dont on vient de nous rappeler les circonstances, les masques, les mensonges, les faussetés, le Père Sava, lui, ne transigeait pas et a ouvert les portes du monastère à toutes les victimes potentielles, sans se soucier de savoir quelle était leur nationalité, quelle était leur confession, si elles étaient baptisées ou non baptisées. Et ça n'était pas facile, parce qu'à ce moment-là, c'était une guerre front contre front tout de même, n'est-ce pas ? Et il avait toutes les chances de passer pour un traître auprès de Serbes qui étaient dans la souffrance, ou pire, qui étaient dans la militance. Mais lui, c'était un Miles Christiani, un soldat du Christ. Et en tant que soldat du Christ, donc, il a fait en sorte que son monastère garde sa vocation, qui soit en fait un lieu d'asile et de refuge et d'accueil et d'assomption de toutes les souffrances humaines, parce que toutes les souffrances humaines sont portées par le Christ. La deuxième image que j'ai rencontrée, c'est à Prizren, le fait que Monseigneur Théodose a un pari qui peut sembler fou, qui est celui d'avoir réouvert une école de théologie dans laquelle il y a des garçons de 15-16 ans, leurs professeurs, donc d'ailleurs un ou deux anciens étudiants de Saint-Serge qui sont devenus professeurs là-bas. Quelle joie de les retrouver. Et cette communauté, elle vit quasiment
comme dans une sorte de bunker, puisqu'elle est forcément séparée du reste de la ville dans laquelle elle vit, cette communauté, puisque dès qu'elle sort, elle peut se heurter à une forme d'hostilité. De la même manière que j'ai pu voir à Detchany les traces des derniers tirs de roquettes ces derniers mois, que j'ai pu voir aussi, je ne l'ai pas vu, ça a été effacé, mais j'ai appris que c'est à Detchany que dans les Balkans est apparu pour la première fois le mot Daesh sur les murs du monastère. Et il y a encore effectivement des soldats de l'ONU devant Detchany. De la même manière que nous avons eu une magnifique liturgie où il y a eu une ordination à Prizren, sous surveillance policière, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ça le miracle de la sainteté. C'est ça, non pas l'héroïsme, mais le sens évangélique de Sava et de Théodose. C'est que lorsqu'on se rend là-bas, on pourrait penser que ce sont eux, en quelque sorte, les prisonniers. Mais les prisonniers ne sont pas eux. Les prisonniers, ce sont tous ces gens, Kosovars, Roms, Goani, autres, n'est-ce pas, qui doivent vivre dans un pays totalement artificiel, où tous les 50 mètres, on a une mosquée payée par la Turquie et ensuite une pompe à essence qui sert au blanchiment d'argent et une mosquée construite par la Turquie et une pompe à essence qui sert au blanchiment d'argent. Un pays où la corruption règne. Un pays où la jeunesse atteint des sommets de chômage. Un pays qui, dans les Balkans, est le premier pays à avoir fourni les plus gros contingents pour les forces de l'État islamique. Un pays qui est tellement à la dérive morale que dans ce pays-là, aujourd'hui, ce sont des groupes nationalistes, hyper-nationalistes, chauvins, qui sont en train de gagner la partie politique sur un programme totalement absurde qui serait d'aller vers une indépendance toujours plus maximale, mais on ne sait même pas laquelle, puisque en fait cette indépendance, elle est un mirage. Les Kosovars ne sont pas devenus indépendants. Ils sont devenus prisonniers. Et paradoxalement, ce sont eux qui sont dans un immense malheur. Et au sein de ce malheur, le seul signal d'espérance de ne pas rester prisonnier, enfermé d'une situation historique totalement absurde, débile, qui nourrit, encore une fois, la corruption, la criminalité, etc. Le seul signe, c'est quoi ? Ce sont ces apparents prisonniers, mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire ces moines, ces prêtres, cet évêque, qui, eux, pensent que la vie est possible, que la vie ne s'apparente pas à une mort, quand bien même cette mort est célébrée en grande pompe par les institutions internationales. En fait, ceux qui sont à plaindre, ce sont ceux qui se pensent les geôliers de ces hommes libres, de ces femmes libres, que sont les moines et les moniales du Kosovo. Ces moines et ces moniales ont un trésor que nul argent, ni celui de l'Amérique, ni celui du Fonds monétaire international, ni celui de l'Union européenne, ni celui de la Turquie, ni celui du crime organisé, ne peut acheter. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'effectivement, l'Europe joue son avenir spirituel au Kosovo, qui est un de ces lieux nodaux où se joue l'avenir du monde, comme Hébron entre Palestiniens et Israéliens, comme le Haut-Karabakh au cœur du Caucase, n'est-ce pas ? Un lieu spirituel où, très précisément, le nihilisme achevé
qui a pris les habits de la religion voudrait nous entraîner dans une forme de guerre totale où il serait parfaitement impossible de penser l'autre autrement que mort. Et en fait, cette guerre spirituelle, qui est l'antithèse de cette guerre des civilisations, elle se joue essentiellement au Kosovo, parce qu'au Kosovo, par la célébration de l'Eucharistie, il est affirmé qu'il y a une puissance plus grande, non seulement que la mort, mais aussi que cette tentation de mort qui existe en l'être humain depuis cette grande fêlure que le récit biblique appelle la chute, n'est-ce pas ? Et donc, je suis allé là-bas au Kosovo, comme mon ami Jean-Christophe Buisson, pour prendre, je suis désolé de le dire, un bol d'air. Et ce bol d'air, je l'ai trouvé dans les monastères. Et je suis rentré revigoré. Bien sûr qu'à vue humaine, tout est perdu. Mais c'est justement quand à vue humaine, tout est perdu, que commence la prière. Et le Kosovo, ce que montre ce livre, hier, aujourd'hui et demain, restera pour toute l'Europe une école de prière. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette très belle intervention, très émouvante. Nous allons maintenant montrer quelques vidéos. Je pense qu'il y en a deux ou trois. Combien il y en a ? Alors la première. Overcoming the ravages of war. Elle est medieval monument. C'est l'empreinte de l'UNESCO. C'est sous le patronage de l'UNESCO et ça concerne le monastère de Dečani, justement, dont Jean-François Colodizio vient de parler, qui se trouve, je le rappelle, à l'ouest, donc dans la Métochie, à l'ouest de ce qu'on appelle la Kosovo-Métochie. Overcoming the ravages of war. Medieval monuments in Kosovo. The Balkan Peninsula has often been referred to as the powder keg of Europe due to its ethnic complexity. The Republic of Kosovo proclaimed its independence in 2008, and four outstanding medieval churches and monasteries here are inscribed as World Heritage Sites. The Dečani Monastery, built during the 14th century, has a unique architectural style, incorporating Eastern Byzantine and Western Romanesque style. During the 1990s, there were ethnic conflicts between the Albanians and Serbians. This Serbian Orthodox monastery stands in an Albanian residential area and has been attacked several times. Now it is protected by soldiers. The entire wall is covered with fresco paintings, a masterpiece collection of Byzantine art which dates between the 14th and 17th centuries. The frescoes mainly depict scenes from the Bible. This one, however, is a little different. It is a painting of the royal family tree of the medieval Serbian kingdom, which thrived for 200 years from the 12th century. The man at the bottom is the first king of the family. However, his face has been scraped off during the Ottoman Empire. In the Serbian Orthodox Church, the kings of the medieval Serbian kingdom are worshipped as saints. Dečani Monastery was built by King Dečanski, the king who founded the golden age of the kingdom. The remains of the king are in this coffin. Surprisingly, the body has not completely decomposed. His right hand can still be seen. In Serbian Orthodox teachings, it's believed that the body of the saints who pleased God through their lives would not decay. Dečani Monastery has survived many battles.
and continues to support the spiritual beliefs of the Serbian people. People continue to offer prayers to the coffin of the king who founded the golden era of their kingdom.